parti ce soir pour ce premier match, une belle victoire contre Fachstadt. Donc on a vu une équipe très solide au niveau autant défensivement qu'offensivement. Donc est-ce que vous pouvez donner un peu vos impressions sur ce match? Déjà content d'avoir gagné forcément, parce que gagner le premier match contre Fachstadt, ça fait forcément plaisir. Sur le contenu, il y a du bien, du moins bien. En même temps, on a eu du mal en défense. Oui. On a subi beaucoup de fautes, on n'a pas provoqué les fautes chez eux, alors que c'était le plan qu'on s'était donné, c'était provoqué les fautes, on n'y arrivait pas du tout, parce qu'ils avaient 4 fautes dans le milieu de la mi-temps. De ce côté-là, on s'est un peu planté. On s'est un peu énervé ses arbitres, mais on s'en sort parce qu'on s'énerve pas, justement. On finit par se concentrer et on fait un bon choix défensif qui les gêne beaucoup. Mais c'est vrai que défensivement, vous avez pu déstabiliser Fachstadt dans les mi-temps, qui étaient complètement perdus. On a fait un choix qui nous a sorti, ça ne sortait pas, quoi, tout simplement. Donc, ça a été payant. Sur l'attaque, on a fait le bon choix. Donc, on a pas trop gaspillé de ballon dans les mi-temps. Donc, ça a permis de gagner. Donc, ça va être plutôt l'équipe en confiance pour la suite du championnat. C'est bon, on a gagné son match à domicile de 18 points, je pense, quelque chose comme ça. Comme Fachstadt, ça met forcément confiance. Mais on est aussi conscient que tous les samedis, ça recommence à zéro. Ouais, effectivement. Il faut gagner. La semaine prochaine, on va à Nadol et il faudra remettre tout à zéro et rejouer et se forcer, faire des efforts. D'accord, et bien merci Alexis. Merci. Donc avec moi Ludovic Arbez, donc Ludo, un bon match ce soir contre Fachstadt. Vous avez été solide, hein, comme je disais avec ton coach Alexis. Est-ce que tu peux me donner un peu tes impressions donc, sur ce match? C'est très simple, hein, dès qu'on met de l'intensité, on va être dur à jouer, c'est tout. Et on a annoncé Fachstadt, mais on a oublié de nous annoncer nous, je crois. Donc on verra. Ouais, donc il y a deux AKC aussi. Voilà. Mais on a montré pour le moment, on a lancé un message et on verra après les matchs après match. De toute façon, là, c'est l'euphorie de la première journée. Après, il va falloir qu'on taffe ça, c'est tout. C'était l'objectif. Donc, ça va perdre vos derbies là cette année avec carrément. Même au Moreau, ça va être un match difficile parce que c'est dur contre des derbies comme ça. Dol, ça va pas être facile non plus. Enfin, bref, tous les joueurs de la poule, tous les jeux. Il faudra gagner à l'extérieur. Là, c'est qu'un match à domicile. Donc, on verra. Merci Zoé. De rien.